Chers téléspectateurs, 5 de pique revient sur le parcours du peintre et graveur Assadour. Sa décomposition géométrique sonde nos identités fragmentées. Né en 1943 à Beyrouth, Assadour fréquente les ateliers des peintres Guvder et Jean Khalife, à qui nous avions déjà consacré des épisodes. Assadour se forme à l'Académie Pietro Vannucci à Pérouse, en Italie, au début des années 60. Il s'installe à Paris en 1964. Il rejoint l'École nationale supérieure des beaux-arts. Il étudie sous la direction de Lucien Couteau, chef d'atelier de la gravure à l'eau forte. Il s'agit du procédé de travail en creux sur une plaque métallique avec un composant chimique. Assadour participe à plusieurs éditions du Salon d'automne du Musée sur Soc dans les années 60. Il livre des illustrations pour divers ouvrages. L'artiste est lié à plusieurs organismes artistiques. Depuis 1984, il est notamment membre du comité des peintres graveurs français. Ses œuvres ont été acquises par la Bibliothèque nationale à Paris en 1981 ou encore par l'entreprise Samsung en Corée en 1996. Parmi les distinctions qu'il reçoit, la mention honorable à la Biennale internationale de l'impression en Norvège en 1980 ou le Grand Prix de la ville de Paris en 1984. Les expositions individuelles d'Assadour se tiennent à Paris, Rome, Bruxelles, Amsterdam, Tokyo ou Taïwan. Le musée sur Soc lui consacre une rétrospective en 2016. En écho à ses origines arméniennes et libanaises, la préoccupation centrale dans son œuvre est la déconstruction méthodique des corps. 5 de pique vous présente Paysage doré. L'œuvre a été réalisée par Assadour entre 1991 et 1996. L'huile sur toile appartient à la collection du musée sur Soc. Elle a été léguée par Pierre Cardahy en 1996. L'influence fonctionnelle du constructivisme du siècle dernier se lie avec pour fondement le futurisme et le cubisme. Les préoccupations sociales qui en découlent sont clairement visibles. La surface monochrome jaune est nettement délimitée. Elle accueille au centre des formes géométriques de petit format. Leur figure varie du cercle au triangle. Ce rapport graphique est volontairement désordonné. Il s'opère dans l'espace, hors des préoccupations esthétiques. La technique et la relation à l'environnement priment. Le détail rationnel scientifique définit les limites spatiales. Le mécanisme du rêve est aussi présent dans la toile et dans la veine du surréalisme côtoyé par l'artiste en France. La matière sert donc à créer l'imaginaire. Les personnages bicolores complémentaires se mêlent aux formes fantaisistes qui entourent la toile. Elles libèrent les individus du poids de leur destin. Leur emplacement relève du hasard, leur contenu est incongru, transparent, opaque ou parfois multicolore. Le trompe-l'œil en bas à gauche reprend l'effet du contour d'un cadre en bois verni. Il vogue avec l'interaction réaliste. Entre progrès et jeu de pensée, Assadour livre une œuvre philosophique dont la distance assure un prisme protecteur. La réorganisation de l'espace permet la structuration de la pensée. L'artiste exhume par ce biais les démons du double exil qui le marque. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art et à la narration du vécu.